guessing why I'm wearing a smile. Keep it a secret, that's not my style. She's my beautiful, wonderful cup of sweet tea. My little Dixie crystal dream queen bee. Can't nobody rock. Responsable de l'organisation de la fête du printemps et Frédéric Bouche, maire de Villeparisi. Alors cette fête du printemps, est-ce que ça se passe bien? Pour l'instant oui, bon, franchement c'est une réussite, le temps est avec nous, donc c'est vraiment une réussite je pense. Il y a des animations pour tous, pour les enfants, pour les adultes. Il y a vraiment une sensibilisation sur plein de sujets, que ce soit la cuisine zéro déchet, les animaux de la ferme, les services techniques également qui proposent des ateliers, hôtels à insectes et des nichoirs à oiseaux. Enfin, voilà, il y a vraiment une multiplicité d'animations pour tout le monde. Caroline Digard, vous êtes la maire adjointe chargée de l'événementiel. Je crois que ça s'inscrit en fait dans un temps plus long, cette fête du printemps. Oui, absolument. Ça s'inscrit dans un programme qui est transversal avec le service environnement. Pardon. Et aujourd'hui, c'est vraiment la journée phare qui est dans le contenu de plusieurs rendez-vous déjà que Marie pourra vous donner en détail. Mais notre grosse inquiétude était bien sûr le temps. Il est là, les villes parisiennes sont sorties et moi je suis l'élue la plus heureuse. Alors Marie, puisque vous avez été dénoncée par votre collègue, quel est le détail de ces futures animations? Oui, alors on a déjà eu une conférence sur les oiseaux qu'on a fait en partenariat avec la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Il y a également une balade thermique qui a été organisée en partenariat avec l'agglomération, donc la communauté Roissy Pays de France. Sur les événements à venir, il y a une fresque du climat qui se déroulera le samedi 30 avril. Il y a également un nettoyage citoyen qui est organisé le 23 avril. Il y a aussi le 13 avril une balade naturaliste, également aussi avec la LPO. Et ce mois de l'environnement se terminera le 30 avril avec également un cinéma en plein air qui aura lieu au parc Balzac. Merci beaucoup. Alors monsieur le maire, qu'est-ce qu'il vous reste à dire avec tout ça? Alors ce qu'il me reste à dire, nous en parlons aussi avec Magali François qui est conseillère municipale et qui siège en intercommunalité avec moi et qui est très impliquée sur le volet environnemental, avec Stéphane Pavillon, maire adjoint en charge du cadre de vie, avec Philippe Leclerc, maire adjoint en charge de l'environnement. Qui est là-bas. Qui est là-bas, mais que vous pourrez interroger. Ce qui est important cette année, c'est de penser, notamment parce que les rapports du GIEC se succèdent, et le troisième volet du rapport du GIEC est sorti il y a peu, c'est de réfléchir à notre empreinte environnementale, notre empreinte carbone, et c'est tout ce que la ville souhaite mettre en place, sans créer d'angoisse superflue, mais surtout travailler sur le fond et proposer des axes de réflexion, des prises de conscience. Chaque pas comptera, on en est convaincu. C'est un pas, ça permet pour chacun de s'informer. Vous avez derrière vous la fresque du climat, je suis certain que vous en prendrez connaissance. C'est très ludique, mais éducatif, et c'est tout l'esprit de ce que nous souhaitons mettre en place sur le mois de l'environnement, qui sera désormais le mois d'avril à Villeparisis, le mois de l'environnement. Alors, je vous rendez vous pour le... Dans un an. Dans un an. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Bonne fête de l'environnement à tous. Merci à vous. N'hésitez pas à faire le tour, hein, de voir les stands. Et donc, j'arrive à la bourre. Philippe, tu pourras être intervention. C'est maire adjoint en charge de l'environnement à Villeparisis. Et nous sommes aujourd'hui à la fête du printemps qui a pour thème principal justement l'environnement. Alors, en fait, donc l'environnement, ça comprend évidemment tout ce qui est nature, préservation de la nature, la qualité de l'air, mais il y a aussi les circulations douces dont je m'occupe. Hein, donc, on a un programme pour développer les pistes cyclables qui vont servir également aux gens qui utilisent des trottinettes, aux personnes handicapées.
Il y a également tout ce qui est énergie. On a des progrès à faire au niveau de l'énergie qu'on utilise pour la commune. Et également pour les particuliers, il y a un programme d'amélioration de l'habitat sur tout ce qui est isolation pour récupérer un fort pourcentage de consommation d'énergie par rapport à la situation actuelle. Voilà. Il y a également tout ce qui est déchets des particuliers. Oui, et bien la fresque du climat, c'est un jeu de cartes, un jeu de 42 cartes. C'est un atelier normalement qui dure 3 heures. Et donc les participants réorganisent les cartes pour expliquer le dérèglement climatique au fur et à mesure de l'atelier. Et ensuite, on a un débat pour discuter de cet atelier. Aujourd'hui, c'est une version quiz. Donc en fait, j'ai déjà fait la fresque pour vous. Elle est devant vous. Et les cartes sont cachées pour que vous puissiez les découvrir au fur et à mesure. Et en quelques minutes, on donne quelques éléments de la carte, de la fresque, pardon, pour vous donner envie d'assister à une vraie fresque de 3 heures, comme celle organisée par Villeparisis prochainement. Voilà, par exemple, je peux vous montrer la première carte que l'on découvre. C'est l'effet de serre additionnel, l'effet de serre qui réchauffe la planète avec un climat assez stable, mais que nous, avec nos émissions de carbone, aggravons ce phénomène et renforçons la chaleur qu'il y a sur Terre. D'après